Abraco, Mandy, Abraco, je suis le fou quoi de fou. Il ne comprend pas pourquoi Dieu si miséricordieux permet-il au mangeur de la grande nuit d'accomplir son œuvre capitaliste. Et Dieu se fit homme pour être aimé et compris les hommes. Et le Verbe se fit chair. Sixième sens, l'essence de tous les sens. Jésus, sur l'honneur, dis la vérité, bien que la vérité, te dis ce que je fais, et te fais ce que je dis, vis-à-vis de tous ceux qui vont m'appeler comme mes clients. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. La Bible l'a dit. Elle est mystique en inversion. Une version faite de rituel, une version faite de décoction, une version faite de produits mystiques. Comment parvient-on à s'attacher avec son âme sœur? Les mystiques nous en disent leur vérité. Nous sommes avec justement Alagi Tchédian pour en parler, le mariage. Le mariage, version mystique. Eh bien, comme vous l'avez vu, le serment est désormais notre leitmotiv pour toutes les personnes que nous recevons pour s'engager tout au moins sur l'honneur afin justement de préserver votre sécurité, de vous préserver de toute alarme, de toute escroquerie. Mesdames et messieurs, nous sommes avec Tchédian, Alagi Tchédian, pour parler de mariage. Alors, c'est quoi le mariage? Parce que justement, dans le monde mystique, il y a un mariage physique, mais il peut y avoir un mariage spirituel avec un esprit, un mari de nuit ou femme de nuit. Nous en parlons avec Alagi Tchédian. Alagi Tchédian, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Expliquez-nous ce que vous pouvez faire pour les mariés. Ou pour les personnes qui n'ont pas, qui ne sont pas mariées, qu'est-ce que vous pouvez faire? Voilà, comment moi je travaille, parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas jolies. Tu vas la voir dans la voiture, elle a tout, voiture, maison, elle a tout. Il faut savoir qu'il y a des secrets. Femme qui sait un bon garçon, qui ne gagne pas, moi je travaille. Avec quoi? Je travaille avec le miroir. Parce que quand tu te lèves le matin, que tu ne vois pas ton visage, c'est dans le miroir que tu regardes et puis tu vois ton visage. Je travaille avec le miroir. Cet miroir-là, si je fais cette préparation-là pour te donner, vraiment, garçon, que ton TV là, tu vas avoir. Il y a des gens qui viennent pour dire que moi, vraiment, je ne vais pas marier. Je vais rester comme ça. Tous ceux qui vont venir vers moi, vraiment, ils n'ont qu'à être quelqu'un qui sont riches. Voilà, on fait ce travail, mais ce que nous, on est content pour faire, on veut femme qui cherche foyer, femme qui cherche mariage, c'est ça nous on veut. C'est dans ce truc là, on dit quoi, miroir là, on prend pour faire ce travail là. Parce que je vois que, voilà, calebasse là, quand tu mets l'eau derrière, ça ne peut pas s'arrêter. Mais quand tu mets dedans, ça s'arrête. Femme qui veut garçon, même si ton mari est parti, il faut chercher à appeler M. Alagi Tchédian. Elle va venir comme rien n'est passé. Femme aussi, ton mari est parti, il faut appeler Alagi Tchédian. Elle va venir comme rien n'est passé. Parce qu'il y a des secrets chez moi qui vraiment, ça est là pour la population de l'Afrique comme Europe. Donc c'est comme ça, moi je travaille. Vous l'avez entendu, femme, ton mari est parti appeler Alagi Tchédian. L'homme, ta femme est partie appeler Alagi Tchédian. Il revient ou elle revient comme si rien ne s'était passé. C'est tout à fait miraculeux, mais pas du tout. Du coup, ça nous fait peur. Alagi Tchédian, qu'est-ce que vous faites pour que ces gens-là reviennent et puis sans jamais repartir? Est-ce qu'il n'y a pas de conséquences? Quelque part, il n'y a pas de conséquences. Est-ce que cet amour qui est né de nouveau là, est-ce qu'elle va durer? Est-ce qu'on se pose des questions? Il n'y a pas de problème. Ok, c'est à cause de ça, moi je travaille. Quand j'ai commencé à parler, j'ai porté serment.
Parce que pour ne pas travailler avec quelqu'un et puis après il y a conséquence, ce travail-là, moi je ne fais pas. Travail après, il y a conséquence derrière, je ne fais pas. Voilà, donc je fais mon travail, après ça, tout mon travail, ça se passe dans le prière. Ça se passe dans le prière, ça se passe, c'est un mystique aussi. Pas conséquence, il n'y a pas conséquence. Tous ceux qui ont des problèmes de foyer, garçons comme femmes, tous ceux qui ont des problèmes de foyer, ils n'ont qu'à m'appeler. Parce que quand tu es avec quelqu'un, amour là, c'est un truc, c'est bizarre. Quand vous êtes ensemble, après, tu vois que amour là, ça diminue un peu. Il faut qu'il y ait quelque chose. Si tu vois qu'avant, il n'y a pas discours, qu'éventuellement il y a discours, un peu seulement il y a discours, tu as parlé où il y a discours, n'est pas parlé où il y a discours, garçon ne te regarde plus, il faut appeler à la vie quelqu'un, il a des solutions. Il a des solutions pour ça. Je vais porter serment pour ça. Nous, on ne compte pas sur l'argent. Voilà, c'est sur connaissance d'abord. Donc, c'est comme ça, moi, je travaille. Monsieur le journaliste. Bien, il a été très clair, mesdames et messieurs, il a été très clair avec vous et avec nous. Mais enfin, nous restons toujours dubitatifs. Il vous appartient de nous aider à sonder l'homme et à détecter justement les doutes qui peut receler à travers ce qu'il dit. Vous nous aiderez justement ainsi à extirper d'entre nous les personnes indélicates, hein, les peu de morale. Merci. Alors, à la guiche, Jean, il y a des gens qui peuvent venir vers vous, mais qui ont un mari de nuit ou une femme de nuit. Alors, pour cela, comment pouvez-vous sceller leur mariage physique? Ok. Tout c'est un peu même chose parce que quand il y a mari de nuit ici, toi, parce qu'il veut même pas que, si tu as une femme, il veut même pas que tu cherches garçon. Il veut pas. Voilà, donc tu viens. Voilà, c'est ça que je dis, je travaille avec le miroir. Parce que cette miroir-là, je prends pour chercher mari de nuit-là. Il y a des préparations que je vais faire ça pour toi. Cette préparation-là, c'est mystique. Voilà, c'est un travail comme ça que je vais faire. Il sera content de toi. Si tu veux qu'il quitte derrière toi, il va quitter derrière toi sans problème. Ils vont te laisser, tu vas marier. Si tu es garçon aussi, il va te laisser, tu vas marier sans problème. Donc c'est ça qui est là. Dernière question. Alagui, ces gens en Europe, ils sont nombreux, les aventuriers qui veulent se lier d'amitié avec une femme blanche, ainsi de suite. Bon, vice versa, une femme noire qui veut un blanc. Ou un blanc même qui veut une femme noire. Bon, c'est dans les deux sens. Qu'est-ce que vous pouvez faire à ce niveau? Ok, c'est le même problème. Si tu es noir, tu sais femme blanche. Tu es blanc, tu sais femme noire. C'est la même chose, c'est le même travail. Parce que nous tous, on est des hommes. C'est la même préparation là, je vais faire ça pour vous. C'est pas forcément que c'est un travail dans l'Afrique seulement. Je travaille pour l'aider. Si tu es un noir que tu cherches une blanche, il n'y a pas de problème. Si tu as une blanche que tu sais, femme noire, il n'y a pas de problème. On fait ce travail-là sans problème. Le contact. Mon numéro, c'est 87-46-55-80. 0D-70-57-58. Tout ce que je vais vous dire, vraiment, on ne se connaît pas, mais la connaissance, il n'y a pas école pour ça. C'est un jour. Nous, on ne compte pas si l'argent pour travailler. Mais si tu m'as appelé, je vais regarder ce qui est là, je vais te dire. Là, c'est toi qui vas faire. Quand ton travail sera bon, ce n'est pas moi, je vais te dire, il faut venir me remercier. Donc, c'est comme ça, monsieur quelqu'un qui travaille. Obtenir un mariage en version mystique, c'était avec Aladji Tchéjean. Nous avons terminé. Merci de nous avoir suivis ici.